إن يغيب عنا السنا أو يزد فينا العنا ما لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغيب عنا السنا أو يزد فينا العنا ما لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد Il est également plutôt une accord une place particulière aux finances islamiques et au halal. Il est en ce moment même étudiant en droit. J'appelle Allah Azza wa Jalla de l'assister tout au long de ses études. Je tiens à remercier bien évidemment le Centre islamique et culturel de Belgique pour sa collaboration envers les jeunes et le service islamique de la jeunesse de Belgique. Qu'Allah les préserve, les aide et les assiste. Cette intervention sera sans question-réponse de l'Allah Azza wa Jalla. Et je tiens à souligner également et à remercier notre bien-aimé Rafid, qu'Allah le préserve, l'aide et l'assiste, qui interprétera cette intervention pour les sourds et les malentendants. Sur ce et sans tarder, je vais demander à notre bien-aimé, le professeur Mohamed Patel, de bien vouloir venir nous rejoindre afin de débuter cette intervention. Fayyat Fadal Meshkoura, Majoura. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، chers et sœurs, permettez-moi de commencer par ce qui doit constituer le fondement pour chacun et chacune d'entre nous, la base. Permettez-moi de commencer par vous citer nos sources. Deux hadiths du Prophète qui vont rester en filigrane au cours de toute notre intervention et qui vont orienter justement le sens de cette présente intervention. Le premier hadith, il est rapporté par Abu Darda, radiallahu anhu. Abu Darda, radiallahu anhu, qui rapporte, qui raconte, qui dit qu'une fois, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de discuter avec eux. Il leur a posé une question assez particulière, assez étrange. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur demande, voudriez-vous que je vous enseigne, que je vous montre quelque chose qui est meilleur que la prière, que le jeûne et que la santé, l'homme. Étonnant. Qu'est-ce qui pourrait être meilleur que la prière, le jeûne et la santé, qui, au passage, vous remarquerez, sont exactement les trois principales actions dans lesquelles nous sommes engagés depuis le début de ce mois de Ramadan. Les compagnons, bien évidemment, ils disent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils sont là, ils attendent, comme toujours, envieux d'apprendre, ils ont toujours envie, cette soif d'apprendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répond en leur disant, ce qui a plus de valeur que tout cela, c'est cela qu'on a fait payer. C'est de maintenir la concorde, de maintenir l'union entre vous. Et vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit que le fait de maintenir l'union entre vous a plus de valeur que ces différentes actions. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il rajoute, parce que le fait de créer la discorde entre vous, c'est le rasoir. Al-Haliqa, en arabe, littéralement, si on traduit, c'est rasoir. Rasoir, les savants nous disent que le prophète fait allusion à ce qui rase les bonnes actions, qui efface, qui annihile totalement les bonnes actions. Première addition, rapporté par Abdullah, radiallahu anhu. Deuxième hadith, rapporté cette fois-ci par Abu Huraira, radiallahu anhu, hadith connu, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit que tous les jeudis et tous les lundis, les actions des êtres humains sont présentées devant Dieu. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, durant ces deux jours, eh bien, il parle à celui qui n'a pas fait le shirk,
à l'exception des deux hommes, des deux personnes, entre qui il y a de l'animosité. Ces personnes-là ne sont pas pardonnées, ne bénéficient pas du pardon d'Allah. Et dans le hadith, il est dit qu'ils ne bénéficient pas du pardon d'Allah tant qu'ils ne se sont pas réconciliés. Deux hadiths qui, bien évidemment, nous permet de comprendre l'intitulé de l'intervention. Objectif réconciliation, eh bien, il va être question, effectivement, de l'importance fondamentale qu'il y a à se réconcilier, à maintenir l'union, l'entente et l'unité entre les frères et entre les sœurs musulmans. Pourquoi j'ai choisi d'évoquer avec vous ce sujet? Essentiellement pour deux raisons. La première raison, c'est que dans les circonstances actuelles dans lesquelles nous nous trouvons, se réconcilier est fondamental, bien plus important qu'à n'importe quel autre moment. Pourquoi? Depuis le mois de Ramadan, cela fait 15 jours, un peu plus de 15 jours, nous avons consacré énormément de temps dans des pratiques rituelles méritoires. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé ses actes. Nous avons fait le jeûne, nous avons multiplié les prières surérogatoires, Tarawih et Al-Layl, nous avons fait des sadaqa qui n'étaient pas forcément imposés. Eh bien, quand on regarde le premier hadith, qu'est-ce que ce hadith nous indique? Que si nous ne voulons pas perdre le mérite de tout ce que nous avons fait depuis le début, une priorité, se réconcilier si jamais nous avons rompu une relation avec quelqu'un. Et deuxième chose, vous connaissez le hadith, le prophète alayhi wa sallam, une fois il montait sur une minbar et à trois occasions, il a prononcé Amin. Quand les compagnons lui ont posé la question pourquoi il avait fait ainsi, le prophète il explique, il dit qu'en fait, Ibrahim était venu lorsque j'étais en train de gravir le minbar et il a prononcé en quelque sorte trois, on peut dire presque malédictions. Et à chaque fois, j'ai confirmé la malédiction. L'une de ces malédictions que Ibrahim a prononcé, c'était que malheur à celui qui voit passer le Ramadan et qui ne se fait pas pardonner. Et le prophète a dit Amin. Vous imaginez un peu la gravité. Le plus grand des anges qui invoque, le plus grand des messagers qui confirme que celui qui laisse le Ramadan passer sans se faire pardonner, eh bien qu'il soit éloigné de la miséricorde. Malheur. Et maintenant, vous revenez vers le deuxième hadith. Le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'à partir du moment où il y a de l'animosité entre deux frères et qu'ils ne se sont pas réconciliés, tant qu'ils ne se réconcilient pas, Allah ne les pardonne pas. Priorité. Avant la fin de ce mois, il va falloir se réconcilier avec les éventuelles personnes avec qui nous avons été. Alors, cette intervention, bien évidemment, nous allons parler pratique, essentiellement pratique. Nous allons essayer de donner quelques conseils, transmettre, je ne fais que transmettre, bien évidemment, je n'invente rien. Transmettre quelques enseignements pratiques que nous donnent les savants, les ulama, pour justement parvenir à cette réconciliation, qui n'est pas facile. On convient tout à fait qu'il n'est pas facile d'aller au-devant de son frère, devant de sa sœur, et lui dire que voilà, il y a eu un malentendu, il y a eu un problème entre nous. Eh bien, essayons de passer l'éponge. C'est vraiment difficile, c'est extrêmement difficile. Mais autant c'est difficile, autant le mérite de cet acte, il est exceptionnel. Et justement, nous allons commencer par ça. Parce qu'il faut toujours commencer par le début. Qu'est-ce qu'on a à gagner? L'être humain, vous savez, c'est un calculateur né. L'être humain, quels que soient les choix qu'il a à faire dans sa vie, il commence par poser le pour et le contre. Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Qu'est-ce que j'ai à perdre? C'est partout comme ça. Et c'est pas sans raison que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith, Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous mettent l'emphase énormément sur le mérite des actes. C'est bien pour ça. C'est parce que l'être humain, c'est ce qui l'incite, c'est ce qui le pousse à agir. Eh bien, la réconciliation, le fait d'aller vers son frère, de lui demander pardon, de se réconcilier, d'agir pour maintenir l'union, quel est le mérite de cet acte?
Une petite parenthèse, j'avais dit qu'il y avait deux raisons qui me poussaient à choisir ce thème. J'avais évoqué le premier, c'était le hadith. Deuxième raison pourquoi j'ai choisi d'aborder ce thème avec vous, et je l'ai fait dans d'autres mosquées ailleurs, parce que de plus en plus, malheureusement, les conflits ont tendance à se multiplier dans notre communauté, à tous les niveaux, dans le couple. Parfois, on est amené à intervenir, on se rend compte que parfois, il y a des gens, il y a des personnes qui venaient tout juste se marier, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, et qui se sont séparés, qui ont divorcé, pourquoi? Après tout, quand on y réfléchit, franchement, ça ne valait pas. C'est un détail, mais on a laissé pourrir la situation, et ça s'est amplifié, et la vie n'est plus possible. D'autres fois, on se rend compte que dans une même famille, entre des frères, entre des sœurs, entre un oncle et son neveu, qui ne s'adresse plus la parole depuis des dizaines d'années. Pourquoi? Parfois c'était pour un litige matériel. Parfois c'était pour une parole déplacée. D'autres fois, on constate qu'il y a des frères qui étaient très proches, des amis, qui travaillaient ensemble, une même activité, dans une association, au service du dîme, et qui, encore une fois, pour des broutilles, se sont éloignés et qui ne se parlent plus. Eh bien, ce qui est inquiétant, c'est quand on se projette dans les 5-10 années à venir, on se dit, mais si la situation reste ainsi, si on va voir l'une des causes, pourquoi il est aussi difficile d'aller vers l'autre, de demander pardon, c'est essentiellement à cause de l'orgueil. Si la situation persiste, eh bien, que va-t-il rester de notre communauté dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Cette communauté qui, n'oubliez pas, au début de l'islam, ce qui faisait sa force, ce n'était pas son pouvoir militaire. Ce qui faisait la force des musulmans au premier siècle de l'islam, c'était la croix. C'était sa fraternité exceptionnelle en or qu'il y avait entre les compagnons. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait notre faiblesse. Alors, on revient maintenant à l'importance de lutter contre la désunion et donc d'agir pour rétablir l'union et la concorde entre les frères et les sœurs de la communauté. Première chose, premier élément, vous savez l'importance que le prophète salam, il a accordée à l'accomplissement de la salat en groupe pour les hommes. Vous le savez, le prophète salam, il disait dans le hadith, la salat al-Rijal al-Masjid, il l'a fait masjid, donc on en parle à l'Islam. Celui qui habite à proximité de la mosquée, eh bien pour lui, il n'y a pas de prière si c'est dans la mosquée. Il doit venir prier en groupe à la mosquée. Et on a comme ça beaucoup de hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez l'histoire d'aveugle, qui était aveugle donc, qui avait des difficultés à venir prier à la mosquée, la Masjid Nabawi, qui demande la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier chez lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui accorde la permission dans un premier temps. Et juste ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande s'il entend l'azan. Il dit oui, il entend l'azan. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non. Il faudrait que tu viennes à la mosquée pour prier. Donc la prière en groupe à la mosquée, importance fondamentale. Et vous savez aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il enseignait une action, le mérite d'une action, l'importance d'une action, il était le premier à le mettre en œuvre. Forcément. Et c'est la raison pour laquelle le prophète Al-Aqbar n'a pratiquement, de toute son existence, n'a pratiquement jamais manqué une prière de la Masjid Nabawi, parce qu'il était à Médine, l'accomplissement de la prière en groupe. Il l'a toujours fait pratiquement en groupe à la mosquée. À l'exception d'une fois, probablement, c'est probablement la seule fois où le prophète Al-Aqbar a manqué la prière en groupe à Médine. C'était quand? Eh bien, c'était à l'occasion où il y avait eu une dispute entre des compagnons. Et le prophète avait quitté la ville pour aller réconcilier ses compagnons. Et en revenant, il était arrivé en retard et il a manqué la prière en groupe. Le prophète avait d'ailleurs désigné quelqu'un d'autre pour diriger la prière. C'est l'occasion où il a délaissé la prière en groupe pour autre chose. Pourquoi? Islam l'a appelé pour aller réconcilier. Premier élément. Deuxième élément, vous connaissez que parmi les kabbalistes,
les péchés les plus graves, il y a un guide, le mensonge. Le mensonge qui, lorsqu'on s'engage dans le mensonge, le prophète, il nous dit dans un hadith que c'est une véritable descente aux enfers. Il va commencer par mentir, etc., jusqu'à ce que progressivement cela va le pousser vers beaucoup d'autres péchés beaucoup plus graves. Et le prophète nous dit qu'au final, celui qui prend l'habitude de mentir, eh bien, il reçoit un titre assez particulier. Il est qualifié de kadhdhab, de grand menteur auprès de Dieu. On s'imagine peut-être pas ce que ce soit. Dans un hadith, donc, il avait une fois réuni les compagnons, il leur avait dit « La tu'adhibu al-muslimin, ne causez pas du tort aux musulmans. Wa la tu'ayyibu, et ne les humiliez pas. Wa la tattabi'u awratihim, ne restez pas à l'affût de leurs défauts cachés. » Pourquoi? Parce que dans la suite du hadith, il le dit. Parce que celui qui reste à l'affût des défauts des autres, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala restera à l'affût de ses défauts à lui. Et Allah le déshonorera dans sa maison, dans son foyer. Le musulman, il doit s'abstenir de causer du tort. Parmi les plus importants sermons que le prophète a prononcé, on trouve les sermons qu'il avait prononcés durant le pèlerinage de l'Égypte. Et vous connaissez tous que dans ces réalistes-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'emphase qu'il a mis sur le caractère sacré du musulman par rapport à l'autre musulman. Caractère sacré de la personne, des biens, de l'eau. À Mecca, durant. Ça veut dire que pour lui, c'était tellement important que parmi les derniers conseils qu'il a donnés, c'est justement le fait de ne pas porter atteinte à son frère, à l'honneur ou bien à la personne de son frère, je sais ce. Et ce n'est pas sans raison que Abdullah ibn Omar de Allah anhu, lorsqu'il a rapporté ce hadith, il est dit qu'il s'était adressé une fois à la Kaaba. Passé devant la Kaaba, il s'était adressé à la Kaaba, il avait fixé ses lignes à la Kaaba. Il avait dit à la Kaaba que tu es sacré, certes, tu es sacré. Mais le musulman, le cœur du musulman est plus sacré. Et est-ce qu'il viendrait à l'esprit d'un musulman d'aller détruire ne serait-ce une pierre de la Kaaba? J'invite, ça ne viendrait jamais à l'esprit d'un musulman. Le pire des sacrilèges. Et Abdullah ibn Omar nous dit que le cœur d'un musulman, c'est plus sacré que la maison. Combien de cœurs brisons-nous à longueur d'année? Combien de personnes humilions-nous à longueur d'année? Combien de mal disons-nous du frère, des sœurs à longueur d'année? Et comme le disait un savant, il n'est pas permis de causer du tort gratuitement à un chien, ni même à un porc. On n'a pas le droit, sans raison, de causer du tort à l'animal. C'est pas permis. Eh bien, le savant disait, qu'en est-il de la plus noble des créatures? Comment serait-il concevable de causer du tort à l'être humain, gratuitement, sans raison? Donc, on se doit de faire des efforts pour ne pas causer du tort à son frère et à sa soeur. Un dernier avis sur ce point, deux avis en fait, c'est que malheureusement, on a souvent tendance à minimiser ce péché, le fait de causer du tort. Vous savez, je rappelle toujours, il y a des péchés comme ça, dont on a honte, on n'en parle pas, généralement. Généralement, quand on vient à la mosquée, on ne va pas se mettre après avoir prié dans la porte de la mosquée pour dire que voilà, tu sais, moi, hier soir, j'ai bu de l'alcool. Hier soir, je me suis dit shooté, j'ai pris de la drogue. Généralement, on le fait. Mais malheureusement, il y a d'autres péchés comme ça que l'on commet. Et qu'on vient ensuite se vanter de ces péchés.
Et ça, c'est terrible. Parce que le Prophète sallam, il dit en ce sens comme un hadith qu'Allah, il pardonne les péchés, à l'exception de celui qui se vante et qui affiche ses péchés. Mais il y a des péchés comme ça. On vient dans la mosquée, par exemple, et on raconte. On dit, tu sais, voilà, on a tel frère, là. Ah. Moi, je l'ai bien, voilà, il croyait telle chose, je lui ai fait croire telle chose, mais finalement, je l'ai bien eu. Et on est fier de soi. On est fier de soi. Ou bien parfois, on a des tensions à la maison avec son épouse, et on vient s'en vanter avec les frères. Alors que tout ce qui se passe dans le foyer doit être sacré. Il ne doit pas quitter le foyer. Le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, donc, pour vous dire que ça, c'est un péché très grave. Le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, une fois, il y avait des compagnons qui sont venus le voir, qui lui posent la question que voilà, il y a une telle femme, eh bien, elle prie tellement, elle fait tellement la prière qu'elle est célèbre pour sa prière. On parle de sa sœur. Et on parle de ses jeûnes, les multiples jeûnes qu'elle fait. Et on parle également de ses sadaqas, elle est connue pour ses sadaqas. Bref, elle a beaucoup de qualités. Mais elle a un défaut. Un défaut. C'est qu'elle cause du tort à ses voisins par la langue. Elle parle mal à ses voisins. Alors, que se passe-t-il pour une telle femme? Vous savez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Yafina, elle mérite le feu de l'enfer. Il faut bien replacer le hadith dans son contexte. On parle de l'époque des compagnons. Les compagnons disent que cette femme, elle est connue, c'est-à-dire connue à l'époque des compagnons. C'est vous dire le nombre de salafina, le nombre de salafina et de jeunes qu'elle faisait. Mais ce seul défaut fait que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit qu'elle mérite d'abord. Il y a autre chose, beaucoup plus terrible. C'est celui qui est ruiné. Vous connaissez le hadith, vous l'avez maintes et maintes fois entendu, mais il faut le rappeler, ce hadith. Il faut constamment le rappeler. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam qui questionne les compagnons, qui demande aux compagnons, savez-vous, qui est ruiné? C'est qui la personne réellement ruinée, vous savez? Les compagnons lui disent, ben, ruiné, c'est celui qui a plus d'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non. Le véritable ruiné, c'est celui qui, le jour du jugement dernier, viendra avec énormément de faveurs, de bonnes actions, de récompenses, mais qui aura insulté un tel, qui aura médit un tel, qui aura commis, causé du tort à un tel. Et tous ces gens à qui il a causé du tort, ils viendront le jour du jugement dernier. Ils demanderont réparation. Et ce jour-là, il y aura une seule devise, une monnaie. La monnaie de l'au-delà, ce sont les récompenses. Eh bien, il va falloir payer. Il va falloir s'acquitter de ses dettes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les gens demanderont réparation. Et pour réparer, eh bien, il devra donner ses récompenses. À un tel, il donnera tant de récompenses. À un tel, il donnera tant de récompenses. Et puis arrivera un moment où il n'y aura plus de récompenses. Mais il aura encore des victimes, des personnes à qui il a causé du tort, et qui devront être dédommagées. Et là, le plus terrible se passera. Allah lui ordonnera à ses victimes, comme il n'a plus de récompense, de lui donner leurs péchés à eux. Il récupérera les péchés des autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au final, il est venu avec des montagnes de récompenses, il repartira avec des montagnes de péchés. Il sera jeté en enfer. Al-Muflis, le ruiné, c'est lui. Eh bien, il faut se projeter parfois. C'est vrai que c'est pas facile. Mais il faut parfois essayer de se projeter dans la plaine du jugement dernier. Et si cette personne, c'était moi, qu'adviendrait-il de moi? Qu'adviendrait-il de moi? Donc, lorsqu'on a causé du tort, il faut absolument se faire pardonner dans ce monde avant qu'il ne soit trop tard. Se faire pardonner en allant voir les personnes à qui on a causé du tort, en
encore une fois, on reconnaît que ce n'est pas facile. Mais c'est toujours plus facile que de vivre la scène qu'a décrite le prophète Alayhi Salaam le jour du jugement dernier. Allez voir une personne à qui on a causé du tort. Si on s'est approprié du bien de quelqu'un injustement de façon implicite, lui rendre son bien. Si on a insulté quelqu'un, lui demander pardon. On a médit quelqu'un, lui demander pardon. Et les savants nous disent que si on n'est pas capable de le faire, soit parce que la personne, par exemple, est décédée, elle n'est plus de ce monde, eh bien ce qu'on doit faire, c'est d'invoquer Allah pour qu'Allah lui pardonne. C'est ce que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam avait fait une fois en s'inspirant de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il avait fait un droit, que pour Allah, tout croyant à qui j'ai causé du tort, eh bien fait que le mal que je lui ai causé se transforme pour lui en une source de mérite et de récompense qui le rapproche de toi. Donc invoquer en faveur de celui à qui on a causé du tort, c'est la moindre des choses. Donc ça, c'est, si on veut ramener l'entente dans la société, c'est la première chose à faire. C'est de ne pas causer soi-même du tort à autrui. Deuxième chose à faire, c'est de développer une grande qualité. En fait, deux qualités. As-sabr wa al-'afw. Développer la patience et le pardon. Apprendre à pardonner. On a évoqué tout à l'heure le fait que lorsqu'on vit en société, forcément, il y a des moments de tension. Ça arrive, c'est normal. C'est normal qu'à un moment ou à un autre, on soit froissé à la caractère avec douceur. Ça arrive. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des anges. Par contre, ce qui est moins compréhensible, c'est que pour un problème, une fois, on se permet parfois pendant des années et des années d'entretenir de la rancune et de l'animosité. Et c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. On n'arrive pas à pardonner. Alors que, encore une fois, il n'est pas question de juger qui que ce soit. C'est une question que l'on doit se poser soi-même. Des questions que l'on doit se poser soi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans l'Assemblée qui peut dire qu'il n'a jamais insulté quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans l'Assemblée qui peut dire qu'il n'a jamais trahi la confiance de quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans l'Assemblée qui peut dire qu'il n'a jamais menti à qui que ce soit? Non. En principe, nous avons tous un moment ou un autre connu ces péchés. Et parfois, ce qui se passe, c'est qu'on apprend que voilà, il y a deux frères qui ne se parlent plus depuis deux ans. On va leur poser la question, pourquoi tu n'adresses plus la parole à tel? Non mais tu sais, il m'a manqué de respect. C'est impardonnable, je ne pourrais jamais le pardonner. Ouais. Mais qui n'a pas manqué de respect à quelqu'un d'autre? Eh bien, si nous voulons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, nous pardonne à nous, commence par pardonner aux autres. C'est exactement ce que le verset de Mohammed, il avait rappelé à Abu Bakr, vous connaissez l'histoire, il y avait une accusation, des fausses accusations, une calomnie à l'encontre de Aïcha, et Abu Bakr, une des personnes qui avait entretenu donc ces rumeurs, c'était un bon musulman, mais qui était un proche d'Abu Bakr, et c'était quelqu'un qui était dans le besoin, car Abu Bakr, il avait l'habitude d'aider matériellement. Et lorsque donc la vérité est éclatée, Abu Bakr radiallahu anhu, il a fait le serment que voilà, un tel, plus jamais je vais l'aider matériellement. C'est fini. Plus jamais je vais le faire. Immédiatement, un verset du Coran est révélé. Voilà, il t'a dit, vous nous le faites, mais il faut que ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle un verset du Coran et il dit que ceux d'entre vous qui sont honorables et fortunés, il est question ici, avant tout d'Abu Bakr radiallahu anhu, et bien qu'il ne fasse jamais ce genre de serment. Et dans le verset passage, il dit Allah al-Kaboun, Allah al-Kaboun. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et bien, si vous voulez bénéficier du pardon d'Allah, il va falloir commencer par donner votre pardon aux autres.
parfois, la théorie c'est bien, pardonner, oui, concrètement, comment on arrive au pardon? Qu'est-ce qui pourrait nous aider dans notre vie quotidienne à pardonner aux autres le mal qu'ils nous font? Première chose, les savants nous disent que si on veut arriver à développer cette qualité de sabr, de af, de pardonner aux autres, il faut déjà prendre l'habitude de ne pas se focaliser sur les défauts des autres, mais sur leur qualité. Le prophète Al-Salam, il avait dit un hadith, c'était dans le contexte du couple, mais l'enseignement qu'il donne est valable pour maintenant dehors. Le prophète Al-Salam, il dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante. Il calait la même rouleau, on va dire. Parce que s'il déteste un trait de son caractère, il n'apprécie pas, par exemple chez sa femme ou chez son mari, un trait de son caractère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Il en apprécie très certainement un autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Qu'on ne doit pas se focaliser seulement sur les défauts. Garder à l'esprit aussi les qualités des autres. Et la méthode d'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam est exceptionnelle. Il dit qu'une fois, il y a un compagnon qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que voilà, j'ai un problème avec ma femme. Je n'arrive plus à supporter. Elle a tel défaut. Tel défaut que moi, je n'arrive pas à supporter. C'est pas possible. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam essaie de le conseiller. Le conseiller pour qu'il pardonne, qu'il ferme les yeux. Mais il dit non, j'arrive pas à supporter. Et là, réponse radicale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mais si tu n'arrives pas à supporter, divorce. Et là, tout à coup, le compagnon lui dit, ah non, mais ça aussi c'est pas possible. Parce que je ne peux pas concevoir ma vie sans elle. Eh bien, les savants commencent ce hadith, ils disent que ce compagnon, à ce moment-là, il avait l'attitude focalisée sur le défaut de sa femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en le poussant, en l'incitant au divorce, a détourné son attention et les qualités de sa femme. Et là, immédiatement, il s'est rendu compte que finalement, la vie sans elle, ce n'est pas possible. Vous voyez, la méthode d'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lorsque, plutôt que de regarder constamment les défauts, prendre le temps de regarder aussi les qualités. Et quand on aura à l'esprit les qualités, ça va être beaucoup plus facile de pardonner aux autres. Premier conseil. Deuxième conseil pour nous aider à pardonner, bien évidemment, c'est de lutter contre cette maladie mortelle qui a causé la perte de Shaytan, de l'Iblis, qu'on a évoqué tout à l'heure, l'orgueil. L'autre problème, c'est ça. C'est l'orgueil. On n'arrive pas à pardonner, parce que pour nous, pardonner, c'est se rabaisser. C'est se rabaisser devant l'autre. Alors que moi, je suis meilleur que lui. C'est à lui de me demander pardon, pas à moi. C'est à elle de me demander pardon. Pardon. Oui. Sauf que, encore une fois, il faut être sincère envers soi-même. Allah, il nous a donné une ni'ma, un bienfait exceptionnel. Vous savez, c'est quoi ce bienfait? C'est qu'il a dissimulé dans notre esprit nos pensées. Vous savez, si Allah, il dévoilait nos péchés que nous avons commis dans l'intimité et nos pensées les plus perverses, si Allah les dévoilait aux yeux de la société, même nos enfants ne seraient plus prêts à venir le saluer. C'est ça la vérité. Le problème, c'est que Allah, il cache ses défauts. Et du coup, on réagit souvent comme Iblis, à la réunion. Moi, je suis meilleur que vous. Mais au fond, si on est sincère, si on prend le temps, dans les ténèbres de la nuit, lorsqu'on se réveille pour prier à l'éveil, on prend le temps de faire le hasana, de s'asseoir et de méditer sur ce qu'on a pu faire durant notre existence, on se dit franchement, pourvu que le jour du jugement dernier, Allah ne dévoile pas mes péchés devant l'humanité entière. Donc, quel serait le fondement de cet orgueil que nous avons? Pourquoi ne pas accepter de pardonner à l'autre alors que telle est notre réalité?
Et le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous, ce qu'on veut, c'est être bien vu dans la société. C'est bien ça, l'objectif. Et écoutez ce que le prophète dit. Celui qui fait preuve d'humilité pour Allah, Dieu l'élève. Deuxième chose. Troisième chose, pour faciliter le pardon, eh bien, encore une fois, c'est de garder à l'esprit le mérite du pardon. Le mérite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que, il raconte dans un hadith, il dit que le jour du jugement dernier, il vient dans la tombe, un homme a été jugé. Et lorsqu'on a fait ses comptes, on a trouvé qu'il n'avait aucune bonne action. Lam yutadahu khayr. Il n'y avait aucune bonne action, à l'exception d'une habitude qu'il avait. C'est que Allah lui avait donné les moyens, il était riche. Et donc il avait l'habitude de vendre, d'acheter, de prêter de l'argent aux gens. Et lorsqu'il envoyait donc les personnes qui travaillaient pour lui pour récupérer ses créances, il disait à ces gens qui travaillaient pour lui que si jamais le débiteur n'a pas les moyens de payer, de rembourser, eh bien, c'est tout. C'était sa seule habitude. Eh bien, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dira que nous sommes plus à même d'avoir une telle attitude que lui. Lui, il pardonnait aux hommes. Eh bien, nous allons le pardonner à lui. Et pourtant, il n'aura aucune bonne action. Voyez, est-ce que, franchement, ça vaut la peine de maintenir l'animosité pendant des années alors que nous avons de quoi nous acheter le paradis? Deuxième chose. Troisième point, je vais conclure là-dessus. Si l'on veut maintenir l'union dans la communauté, une autre chose qu'il va falloir faire, plutôt un péché qu'il va falloir abandonner, c'est ce qu'on appelle An-Namima. An-Namima, c'est malheureusement devenu le sport national de la communauté parfois. Discipline olympique. Je pense que s'il y avait une discipline olympique, on ne serait pas loin d'avoir une médaille d'or. An-Namima, c'est quoi? On va voir un frère. On était dans une assemblée. Parfois, une assemblée où, pour une bonne cause, il a fallu parler de certaines choses négatives à propos de quelqu'un. C'est une amana. Vous savez que parfois, dans certaines circonstances exceptionnelles, on peut dévoiler certains défauts. La riba peut devenir tolérée dans certaines circonstances. Donc parfois, on assiste et on entend. C'est une amana. La réunion n'est pas finie, que le SMS est parti. J'ai besoin de te voir après la prière. Très grave. Trois points de suspension. Forcément, le frère, même s'il n'avait pas envie de prier, hein, parce qu'il vous promet, ce jour-là, il est là, avant la date. Et il attend. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux te le dire, parce que franchement, non, je ne peux pas te dire. Et là, le suspense, on fait monter le suspense. Pourquoi finalement? Parce que dès le départ, on a l'intention de le dire. Et on va commencer à dire. Parfois, ça ne concerne même pas le frère en question, ça concerne quelqu'un d'autre. Alors là, c'est pire. Je te dis quelque chose, mais surtout, promets-moi avant de le partir. Tu ne vas pas répéter. C'est le meilleur moyen pour qu'il aille avec toi. C'est ça, la vie. C'est de colporter les propos des uns et des autres dans le but de semer la division. Le prophète Ali nous dit, il était passé devant une tombe une fois, il avait vu qu'il y avait des gens qui étaient châtiés. Et le châtiment de la tombe, c'était justement parce que l'un d'entre eux avait cette habitude de faire un anima. Et dans un hadith, le prophète salam dit, la yatrul jannah tabtahat. Celui qui est constamment engagé dans un anima, il n'entrera pas au paradis. Anima. Alors là aussi, comment essayer de diminuer cet anima? Donc, quelques petits réflexes pratiques, c'est que tout d'abord, lorsque quelqu'un vient de dire une information de ce genre, que voilà, un tel, il a dit telle chose sur toi, de pas très gentil. Première chose, se méfier de ce qu'il dit. Pourquoi?
parce qu'il commet un péché en faisant ceci. Il commet un péché, je veux que c'est interdit. Et celui qui commet un péché de la sorte, il devient fâché. Et on comprend qu'est-ce qu'il nous dit, Yahya al-Ladina al-Anou, Injala, pour fâché, pour binamanim, fatamayyanou. Lorsqu'un fâché nous apporte une nouvelle, vérifiez bien, ne pas prendre pour argent comptant. Un. Deuxième chose, pourquoi il faut faire gaffe, c'est que le Nabna, celui dont il a l'habitude de colporter les propos, généralement, il va toujours donner une version partielle de l'affaire. Il va dire que tu sais, un tel a dit telle chose sur toi. Ouais. Ce qu'il ne dira pas, c'est que pendant 10 minutes avant, pour faire démarrer la machine, c'est lui qui en a débité. Il a dit non, mais tu sais, un tel fait telle chose, juste pour faire démarrer l'autre. Et quand l'autre démarre, il vient et dit non, mais tu sais, un tel. Franchement, moi, je croyais que c'était un frère, mais. T'aimes pas, te veux du mal. C'est ça. Donc, deuxième chose, pourquoi il faut être vigilant. Et troisième chose, c'est un dictoire. Mannama alka, mannama alayk, fardat nama alk. Celui qui vient te rapporter quelque chose, c'est qu'il a déjà rapporté de toi. Eh bien oui, parce qu'il a l'habitude de venir colporter. Forcément, c'est que tes propos à toi, tu dois faire gaffe. Tout ce que tu vas dire va être contre toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc le nana, celui qui colporte, il ne mérite pas notre considération. On ne doit même pas lui prêter. Non seulement nous-mêmes, on doit s'abstenir de son péché, de ce péché, mais on doit absolument nous-mêmes éviter de lui prêter pour justement le décourager de continuer de poursuivre dans cette voie. Donc ça, ce sont trois conseils. Qui, inch'Allah, apprendre à pardonner les autres, éviter de colporter les propos des uns et des autres et éviter de causer du tort soi-même autrui, de créer des tensions dans la société. Donc, Inch'Allah, si nous arrivons à réunir ces qualités, à développer ces qualités, eh bien, Inch'Allah, nous parviendrons à cet objectif qui est le nôtre, de parvenir à la réconciliation. Et cet objectif, encore une fois, je reviens là-dessus sur ce hadith, il va falloir le réaliser. Si nous voulons bénéficier du pardon d'Allah avant la fin du mois de Ramadan, il va falloir faire un pas. Ça ne va pas être facile. Mais ce pardon d'Allah, ce paradis d'Allah, il va falloir aller le chercher aussi. Am hasibtum an tadkhulu al-janna wa lamma ya'lam Allahu alladhina kafaru wa lamma ya'lam Allahu alladhina. J'ai oublié le verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit : quoi vous croyez que vous entrerez au paradis sans avoir connu les épreuves de ceux qui vous ont précédé ? La marchandise de Dieu est très chère. Allah, inna siratallahi al-jannah. La marchandise de Dieu, c'est quoi? C'est le paradis. Ça a un prix. Eh bien, il va falloir payer le prix. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donne l'opportunité de comprendre et de mettre en œuvre. Allahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. لك وحسن الله إليك ونفع الله بك وكثر الله من أمثالك بزون غالب الفرنة سور je tiens bien évidemment à remercier de nouveau notre intervenant le chef Mohamed Patel qui je le rappelle nous vient depuis Paris et qui nous a fait honneur en participant au programme de l'Oasis du Ramadan.